Nouveau look pour un nouveau départ. En cette rentrée 2021, classe égale à HRL, Antoine Griezmann a dit au revoir au FC Barcelone. Par la même occasion, aux cheveux longs, le footballeur de 30 ans, originaire de Mâcon en Bourgogne, a été prêté à l'Atlético Madrid et s'est vu remettre son maillot rouge et blanc des mains du président du club, Enrique Cerezo. Sur les comptes Twitter et Instagram du club madrilène, des photos d'Antoine Griezmann affichant son sourire et sa bouille angélique aux côtés du président ont été partagées. Ils prennent la pose devant les photographes, tandis que Griezmann, comme certains supporters le surnomment affectueusement, tient fièrement son maillot à rayures, floqué du numéro 8. Un détail n'a pas échappé aux internautes, Antoine Griezmann a coupé ses boucles et arbore désormais une coupe courte. L'international a tout de même laissé un peu de longueur au niveau du front pour créer du volume. Fini donc la longue tignasse, les chignons, tresses, queue de cheval et autres folies capillaires sur le terrain. Le jeune papa de Mia, Amaro et Alba, 5 ans, 2 ans et 5 mois, qui arborait des cheveux longs bien avant son arrivée au FC Barcelone en 2019, avait pourtant expliqué qu'il refuserait de se couper les cheveux même sous la pression. L'auteur d'un doublé face à la Finlande, mardi 7 septembre, rapportait que sa femme et ses enfants aimaient beaucoup son look. « Je garderai mes cheveux longs même si on me demande de les couper. Mes enfants et ma femme veulent que je les garde », avait-il déclaré durant un entretien à la chaîne de télévision espagnole Movistar Vamo, comme le rapporte CNews. Antoine Griezmann est un fan inconditionnel de David Beckham et certains ont pu voir sa coupe de cheveux comme un hommage à l'anglais, désormais retraité. Avec ce passage remarqué chez le coiffeur, Antoine Griezmann semble prêt pour un tout nouveau départ au sein du club où il a fait ses débuts.